Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on continue le guide dédié à Black Myth Wukong avec la suite du chapitre 3 et l'exploration du nouveau temple du tonnerre. Voilà voilà, alors bon du coup on avait réussi à atteindre l'entrée là. On va déjà aller fouiller un peu sur les côtés. Un coffre ici. Et puis il faudrait que je regarde aussi la quête de la renarde là, qui doit être dans le coin. Par là. Il y a des mecs avec des espèces de boulets. Oh putain, ils sont chauds. Alors, c'est notre nouvelle transformation. Assez puissant mais assez lent. J'ai oublié de rechanger le sort de soin. Que j'avais autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Juste quelques amas à récupérer. Changer le sort. Je vais récupérer. Je m'étais un peu lâché au niveau des attaques. Attendez deux secondes. Il me semble que la renarde elle parlait que le truc il était à droite de l'entrée du temple. Donc probablement par ici. Est-ce que je peux aller là-bas derrière? Quelques âmes à récupérer. Bon, de la volonté. Avec des rochers, ils sont pas trop durs.
utiliser l'attaque. Ah, mais c'est parce que j'ai plus d'endurance. Je me demandais pourquoi il balançait son attaque. Récupérer. On a là-dedans. On a de la vacuité. Quoi ce dash qu'il avait là? J'ai jamais vu ça, faire ça encore. Alors, moi j'ai vu qu'il y avait encore un petit groupe d'ennemis. Là. Il a l'air d'être relativement grand aussi, le temple. Thank you.
Ah putain, pas eux. Je l'ai en l'air. Pendant mon attaque. Le gelé. Ah putain, il m'a bloqué en plein normal. Une attaque sautée. Celui-là, ramasser quoi? Ah, un nouveau sort, d'accord. Gelée blanche, paresse pendant la journée, regret à la nuit tombée. Transformez-vous en moine de la mer, portez des coups teintés de blizzard et lancez les attaques appliquant le fléau de froid. Concentration accumulée avant la transformation peut être utilisé le terme. Ok. Bon, du coup, avec ces conneries, j'ai utilisé toutes mes attaques. C'est le moine là. Moine surveillant. Encore autre chose. Ah bah c'est peut-être le mec que j'ai tué juste avant, le boss. Là. Moine de la mer. Masque. Non, c'est ça. Voilà, invisible. Déclenche plus facilement une esquive parfaite. D'accord. Du coup, ça c'est le nouveau sort qu'on a récupéré. Peut-être dépenser du coup mes
Ouais. Ouais, bon, bah, il y en a d'autres là, mais ils sont quand même relativement costauds. Après, peut-être que l'autre il était pas. Ouais, c'est ça. Il est relou. J'ai contré mon coup encore. Ouais, ça craint un peu au niveau vie. Hein. C'est bien que je récupère de la volonté, la verte, justement, ça va recharger ma petite gourde. Alors, qu'est-ce qu'on a par la bombe? Ah putain, un mage là-haut. Bah là, je meurs. Je vais faire un vieil instant de kill là. Bref, bon, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, là, je vais rusher en éliminant personne. Ah ouais, faut que je pense à vérifier ce côté-là s'il y a quelque chose aussi. Déjà ici. De glace en additif. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? L'utilisation de la gourde permet d'augmenter modérément la résistance au froid pendant une courte durée. Okay. Alors j'ai rushé à éliminer l'autre là-haut. Hein. Mm-hmm.
阴阳辟邪，妖孽退散。 Ça bug bien là. Ah, j'ai esquivé. Mais qu'est-ce qu'il veut ou quoi? Exactement le même bug de ce côté. Ok, bon, y a rien d'intéressant là. Le banc de soi, pardon. Ouais, faudrait que je regarde comment dire, ce que m'avait dit la renarde en fait, comme je l'avais récupéré. Là. Je me rappelle qu'elle m'avait dit d'aller du côté droit du temple, mais. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit de chercher. Ok, bon bah allez. Faire ce truc chelou là. Même pas un boss. Il crache des flammes de ses genoux. Voilà. Protège bras de Valfra. C'est ça, réduit modérément le temps de récupération des sorts de mysticisme. Et alors attendez, je vais regarder cette histoire de renard là. C'était où déjà? C'était au chapitre. C'était le 12. Ah ouais, c'était dans la vallée de l'extase. Devenu moine dans le nouveau temple du tonnerre.
Et de prélever quelqu'un, confronter-le et apaiser mon âme en peine. Donc elle cherchait quoi déjà? Ouais, bon. Alors, si je peux me transformer en renard là. Semblait qu'il disait que c'était du côté droit, mais j'ai retrouvé l'extrait dans la vidéo. Là, il y a bien des moines, mais je pense pas que ce soit eux. D'accord. Les éliminer parce que cette blague. Il arrive à savoir que je vais l'attaquer. Non mais esquive, c'est chiant par moment. En fait, on lance des attaques, voilà, encore une fois. Notre perso, il annule pas son combo en fait pour esquiver. Bah oui, mais bien sûr, esquive pas. Non mais j'hallucine. Pourquoi j'arrive pas à esquiver correctement avec eux là? Mais esquive! Encore, mais c'est insupportable. Là, je disais, j'essaie de les éliminer parce que je sais pas s'ils filent pas quelque chose. Claude, tout à l'heure, il m'a filé un truc. Ouais, ils m'entendent venir avec ma super attaque là, c'est grosse blague. Hop. Instantanément, ils lancent leur attaque. Esquive. Ah mais pourquoi il a deux tensions ce perso? Il esquive, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, elle arrive bien à esquiver, pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, tiens. Ah bah quand même. Voilà. Ils sont super résistants ces mecs. Bref. Relou aveugle. Vas-y, attaque-moi. Voilà. Ah.
Après, c'est peut-être du côté droit, mais de la partie principale du temple. On doit aller avec la renarde. Pourquoi t'as loqué cet ennemi? J'ai vu qu'il y avait un mec là tout à l'heure.
Et bon, je pense qu'on a fini de trouver tout le secteur. Hein. Entrer dans ce petit temple. Strat avec eux, ça passe tout seul. Truc chelou là-bas au fond, on a un bug graphique. Ah ouais, non, il y a un truc sur le mur. Là, on le voit mieux. Ah ok, c'est un trou. Ok, bon, bah il y a rien dans cette pièce. Armée de papilles là, qui est prêt à me balancer de la foudre. Des moines. Un de ces trucs, hein. Par contre, lui, il a l'air plus résistant parce qu'il a la fumée bleue là. Qui doit être récupérable en esprit.
Oh, il a rien compris ce qu'il arrive. Lui. Ok. Là, faut arrêter. Il est encore, il tape à côté. Le mec, il fasse des ondes de choc quand il attaque. Quand même quelques ressources. Ah, un bibelot, pierre tonnerre. Ah oui, c'est vrai qu'on a un troisième emplacement, j'ai oublié de le remplir. Augmente modérément la résistance au choc. Affecté par l'état gel, augmente modérément la chance de coup critique. Résistance au gel, chance de coup critique. On peut encore augmenter la défense à la limite. Récupération d'endurance. À l'ennemi pour éviter les prochains dégâts fatals. Ça peut être pas mal, ça aussi. Ok, bon, on va essayer de se faire lui, hein. Sachant que j'ai plus de... de potion. Voilà. Si vous entendez, il y a mon chien qui est en train de faire un peu le loup. Il est en train de pleurer. Faire un rêve. Ben voilà, parfait. Là-haut, il y a l'air d'en avoir un autre. Ah non, c'est un grand gars qu'on a déjà éliminé dans les... la vallée de l'extase. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce que ça fait? Des plateformes d'un vajra d'argile, faites jaillir des flammes de vos genoux en marchant à grandes enjambées. Chaque pas projette des flammes qui brûlent les ennemis à proximité. Augmente modérément la résistance à la brûlure. Bien, what the fuck. J'aime vraiment le bestiaire, hein. Il y a vraiment énormément d'ennemis, hein. C'est hallucinant. Ouais, du coup, c'est vrai que ça remplit ma gourde vu que je récupère un esprit. Et... Il est où ce con? Il doit être là-haut sur le balcon. Trouver un autre hôtel qui se recharger et puis bien aller faire aussi un tour vite fait au village du Zodiac pour récupérer les plantes qui ont poussé. Vu qu'il y a un nombre limité qu'elles peuvent stocker avant qu'elles soient pleines. Une sale gueule en plus, ce truc. Une paire de fesses à la place du front. Ouais. Je pense qu'on est bon.
Allons fouiller l'étage. Ah merde, c'est fermé. Bien de se battre dans l'escalier avec la caméra qui est nimple là. À l'étage. Alors, ça continue encore par là, mais... pas fait exprès. Je vais pas prendre la potion. Qu'est-ce qu'on a par là? Mis le cheval. Qu'est-ce que tu fais planqué ici? Je suis en train de faire un peu de choses. 虽说家中带亡遭难，可世间福祸不皆是自取，为己活才自在。佛爷爷说的对，纵情自欲，无忧无虑。我从没像现在这般快活。 想当年，我家大王也曾在佛地修行，孩子也是菩萨的弟子嘞。如今我皈依佛门，也算是追随大王。我劝老友，就留在此地，你我做个同门可好？ Qu'est-ce que tu dis? Ah non, encore lui parler. De souplesse formule parfait. C'est quoi les actions ne coûtent pas d'endurance pendant une courte période. Ouais, bon bah il fait rien d'autre lui. Ouais, du coup il y a des chances qu'on le recroise encore au chapitre suivant.
mur invisible. Ouais, c'est encore une sacrée zone, hein. Impact là, c'est n'importe quoi. Ah, encore. Ça crée. Dans ce secteur, ils sont radins en hôtel. Hein. Qui attaque avec les genoux là main. Les effets de lumière là. Ok. Ouais, ça a l'air bien bugué. Je pense que à la base c'est censé être comme ça. Là du coup il n'y a plus du tout d'effet d'ombre et tout. Ouais. Je pense que c'est un bug. Des brûlures d'estomac.
encore un nerveux. Hein. J'ai même pas calculé qu'on peut passer par-dessus. On a l'habitude d'avoir des murs invisibles, je me suis dit, on peut pas passer là. Bon, juste vérifier le lit de la rivière. Un truc utile. Je sais pas si le chemin principal c'est ici ou si c'était du coup là-haut. En tous les cas, on va les vérifier là déjà. Un peu de chance, on aura un hôtel par là-haut. Par rapport au point de compétence, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, c'est une posture que j'utilise pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la posture d'estocade aussi. Ça peut être pas mal. En déclenchant l'attaque lourde, le prédestiné exécute alors une attaque d'estocade. Chaque niveau de talent augmente la récupération d'endurance en frappant. Fait une attaque lourde après une attaque légère provoque repli stratégique. Le prédestiné saute en arrière et ajuste sa défense en préparant une nouvelle attaque redoutable. Enchaîner un repli stratégique avec une autre attaque lourde qui consomme un point de concentration provoque estocade massive. Serrant son point à deux mains, son bâton pardon à deux mains.
Le prédestiné exécute une féroce attaque des stocks à longue portée directement en direction directement au visage de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Et où le truc qui fait que ça se... Voilà, vitesse de chargement. C'est bien. Vu qu'il y avait un moine chelou là, c'est pas lui du coup le moine pour la renarde là. Un gars comme ça, mais il y en a vraiment partout ces moines. Ah ouais, bien. Au moins avec cette attaque, il est pas capable de me taper avant que je le frappe. Très bien. Bien fait de prendre cette nouvelle attaque. Que quand on la charge, par contre, on peut pas se déplacer. D'où il sort, lui. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a un moine de chelou. Il a l'air d'être à moitié gelé. Changer un peu la gourde. Transformer en renard pour voir. Ça fonctionne. Ouais, c'était bien ça. Ah, c'est pour rejoindre la zone secrète. Ah non, peut-être falloir l'affronter. Ouais.
Par des parchemins, des pages de bouquins, je sais pas quoi. Oh, putain, mais bouge! Donne-toi. Ah, le vieux relou, quoi. C'est con, je m'en sortais bien, quoi. Il était quasiment mort. Après, j'y suis allé un peu à l'arrache. Hein. J'avais plus de... Comment ça s'appelle ? J'avais plus le... de mana et tout. C'était un peu chiant. Quoi. Je peux pas exploiter mon plein potentiel. Ouais, bon, ben, du coup, on va rusher jusque là-haut. Hein. On t'occupe pas de moi là. Je ne fais que passer. Loupé. Il est relou. Prends pas ses coups, ce con. Ça se trouve, c'est parce que je suis pas venu avec la renarde, du coup je peux pas l'attaquer. Bah si, j'arrive à me toucher. J'hallucine, tous mes premiers coups ils sont tous passés au travers. Relou.
se faire toucher d'ici. M'envoyer ces pages là, c'est ça avec tes vieilles pages de merde. C'est bon, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de te battre. Et il est relou aussi avec ses tirs bizarres. Hein. Cette blague. Ah bah voilà, putain. Il m'a refait exactement la même, quoi. C'est quasiment au même niveau d'énergie qu'il avait tout à l'heure. Le vieux relou. En plus, c'est relou, là. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de, d'hôtel plus proche, quoi. On est obligé de se retaper le chemin à chaque fois. Bon, du coup, je vais reprendre le sort de soin parce que le truc d'immobilisation ça fonctionne pas sur lui. Ouais, bien relou, quoi. J'ai pas compris au début du combat, je lui ai fait quasiment zéro dégâts, quoi. Tous mes coups ils passaient au travers. J'ai envoyé mes doubles, ils ont servi strictement à rien. Mais putain, non mais j'hallucine, quoi. Oh là là, bon allez. Ils m'ont bouffé toute ma vie, ils m'ont fait tomber en bas, là, cette grosse blague. Quand j'arrive en haut de l'escalier, l'autre, je le vois pas, en fait. Il est camouflé à droite, là, du coup, j'ai pas vu qu'il m'attaquait. Yeah.
Oh mais la blague quoi. Attaque jusqu'ici. Défoncé, toi, tu vois. Voilà. Oh, putain, je l'ai défoncé. Il a rien compris. Non vide, non capable. Il m'en manque un. Hein. Normalement, il y en a quatre des trucs comme ça. Juste un petit truc. Je sais pas si ça vaut pas plus le coup de... de me renvoyer à l'hôtel et puis revenir. Juste d'abord aller voir là-bas. Si le cheval il est toujours là. On n'est pas très loin, on va y aller. Par contre, si je saute là, j'ai pas de la vie.
Il restera plus qu'un, c'est plus simple. Hein. Plus relou avec le qui me balance des blocs de glace dans la gueule. Il m'a semblé qu'il l'a touché son pote avec l'air. Attaque, je crois que je fais plus de dégâts. Un deuxième coup, j'ai pas vu venir. Vérifie juste l'histoire de des 100 machins. Si je vous ai dit, il m'en manquait encore un. Il semble bien qu'il y en a 4 à éliminer. Il est censé être dans le coin. Il est dans le temple. Dans la zone du nouveau temple. Mais
une indication sur l'endroit précis. J'ai vu qu'il y avait une partie du temple qui était ouverte à droite là. J'étais en train d'affronter les deux gros. Là. Il y a des chances que ce soit là-bas. Bon, la question c'est de savoir est-ce que ça garde en mémoire le fait que j'en ai éliminé un ou il faut faire les deux. Apparemment il reste plus qu'un. Ouais. Parfait. Il a pas trop kiffé. Trop de temps à faire tes incantations. Alors, bien moyen que ce soit lui. Ah.
Oui, lui, on l'avait pas regardé du coup. Adopte la forme d'une non vide, reculez rapidement et transformez-vous en une silhouette ondulante, intangible et invincible. Permet de récupérer une quantité modérée d'endurance en étant touché. Et lui, adopte la forme de non pur, brandissez une bêche de moine et frappez vos ennemis à plusieurs reprises pour les purifier du mal. Augmente modérément la réduction des dégâts pendant une courte période après avoir exécuté solide comme un roc. Ouais, mais une bonne série de coups quand même. Parfait. Bon, du coup, on a un nouveau lieu de méditation. Je crois qu'il nous en manque encore un. Ok. Bon, du coup, on ira le récupérer dès que j'aurai. Quand on ira retrouver un autre hôtel, là. J'espère qu'il y en aura un en haut. Là. J'ai regardé les points de compétences. Cercle de feu, c'est quoi ça? Du coup, chaque niveau du talent prolonge légèrement la durée. Génère plus de concentration pour chaque seconde passée à l'intérieur. Augmente l'endurance max à l'intérieur. Ça, du coup, on s'en sert pas. Une entrave de sort ici supprime les états et 4 fléaux. Peut-être là-dedans, peut-être bien d'augmenter ça. Ah oui, du coup, il y a le truc de chargement plus rapide. Ouais. Bon alors, est-ce qu'on trouve un hôtel là-haut? Bon, j'ai des chances que ce soit le boss de fin de chapitre ici. Voilà, alors du coup, je retourne. Non, c'est la pagode. Temple protecteur. C'était hors du moulin. Ouais, il était un petit peu dissimulé celui-là. Thank you.
c'est ici en fait. Vu qu'on sait jamais trop est-ce qu'on peut passer ou non là. Bah, j'avais pas du tout essayé de détruire en fait les palissades là, vu que généralement on est bloqué. Bah, en fait, il y avait un passage ici. Voilà, parfait. Du coup, je vais juste faire vite fait un créneau au village du Zodiac avant d'aller faire le boss. Par les combos diversifiés, réduit modérément le coût en endurance des attaques chargées. Voilà, comme ça on est passé niveau 20 là. On a maintenant 4 boules d'endurance. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de regarder le nom. Le fond au royaume de la pagode. Relique, non, pardon. J'ai des remèdes gratos aussi. Jin Dan Zhi Dao, Lian Ji Wei Xian. Hao Han, comment ça? Xiao Xian, Zhou Ye Yin Qin, Fang De Ci Ling Yao. Ouais, bah c'est parce qu'on avait trouvé. Voilà, ça. La formule. Boutique. Est-ce qu'il y a autre chose? Parler aux singes aussi, voir s'ils vendent des nouveaux trucs. Je pense que c'est lié au chapitre en fait. C'est relou qu'il n'y ait pas les autres boissons. Voilà. Allez. Se faire ce boss. Ouais, j'ai peut-être vérifié vite fait autour. Un truc. Ouais, vraiment un souci avec les effets de lumière. Je sais pas si c'est lié à la version PC, si ça le fait aussi sur PlayStation 5.
Généralement, c'est le genre de bugs qui sont liés au moteur, pas forcément à la version. Ok, mon maillet, que dalle. Chérie, je suis rentré. Ouais, du coup, c'est lui. Putain, le temps qu'ils ont dû passer à faire toutes les statues, là, les sculptures.他说凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上，其他人就只配磕头烧香。我说因为他们不如你。后来他犯了大错，重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？ 徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的都是废物，信什么狗屁如来，不如我自己来。 D'électricité, ouais, je pense que c'est lié aux effets électriques. On m'a attrapé cet enfoiré. Ouais, deuxième coup. Allez, relève-toi. Oh,
Ah putain. J'avais pas vu qu'il pouvait l'allonger son truc. Allez, crève. Il a pas l'air de vouloir mourir, ce délire. Deux phases. Tu meurs là? Ah non, j'ai peur. Aïe, dehors, le sanglier là qui nous file un coup de main au début. J'ai l'impression que je l'entends. C'est ça. Ah, il se bat contre le macaque, ok. Avec son râteau là. C'est tous fait avoir. Mais c'est dupliqué, d'accord. Je me disais, mais il fait quoi l'autre? On va jouer à l'épée, mon gars. Allez, papy, là, faut l'attaquer. Papy sanglier. Voilà. Ah,
à bouger, on a dit. Tape à côté. Chaba. Chaba. Ça c'est le méchant Bouddha là qui essaie de me forcer à tuer. Je suis transformé en macaque du coup. Carrément. Chef macaque. Chu xing chang, zhu xiang min zhang. Na qi tong dao, wo yi cheng fu. Je vais les affronter, hein. Si vous m'attaquez, je vous défonce. Carrément des ailes maintenant. Je vous ai dit, si vous m'attaquez, je vous défonce. Ouais, ouais, d'accord. Lao Shuo, je m'en fous, je m'en fous. Putain, ça fait le ménage. Ouais, je suis pas sûr qu'il faut comment dire, l'écouter l'autre là, parce que... Vu qu'il m'a transformé en macaque qui défonce tout là. Voilà, alors à tour de sortir le jeune. Il est en or. Comment pour l'attaquer s'il est en or?
compris. Ah voilà. Ça fallait continuer de l'attaquer. Tu te oui, ok. Bah, il m'a défoncé, il m'avait fait prendre des dégâts. Quoi. Je l'ai attaqué. Ok, d'accord. D'accord. Ouais. Oui, dans le combat là. C'est un peu chiant quoi qu'ils deviennent invincibles. Je sais pas si c'est du coup une durée limitée. Faut peut-être rester à l'écart le temps que ça disparaisse. Qu'il a laissé par terre, elle continue avec le cœur. Oh là là. Une vieille longe de merde en vrai. 我想心中作，莫想啊！人为上啊！ Ah putain, il va me faire son attaque. Hein. Je pense que c'est un truc obligé. Ouais, c'est ça. Ah putain, elle s'est transformée en or.
bien. Il m'a mis cher. Putain, mais je suis bloqué à l'intérieur. Mais il me refait la même, quoi. Ah là là, le relou. Ouais, du coup, je pense qu'il faut que je l'attaque quand il est doré. Pas le timing là pour cette attaque. Voilà. Ah, mais déjà, ah, je me suis même pas rendu compte que j'avais perdu autant de vie. Mais il n'y a pas encore fait cette attaque à balancer des éclairs de partout. Ouais, bon, il va finir par passer. Hein. Il n'est pas si dur que ça, quoi. Le temps que je m'habitue à ces attaques. Hein. Ouais, l'attaque chargée, on kiffe pas trop. On va retransformer. Hein. Putain, il fait chier, il est sur la veine électrique. Sanglier, il aurait pu venir m'aider. Oh,
什么人吗？你也正错不得。Mais tu vas la charger ton attaque là? Attends, par moment c'est n'importe quoi. J'ai pris des dégâts d'où là, je peux le voir. Ah putain, il a remplacé mon cercle de feu par un cercle d'électricité, quoi, c'est gros blague. Super. Putain, toutes mes grosses attaques, elles sont passées dans le vent, quoi. 与之徒外在有何用？ Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Elle va encore me refaire son attaque à la con là. En fait, c'est une chop, ça, c'est pas possible. Ah non, c'est bien fait exprès. Il me fait là. Un peu là, je crois. Ah bah ouais, tiens. Une attaque électrique qui génère sur toute la zone là. Ça fait plaisir. On n'est plus de potions. On n'avait pas encore vu la deuxième partie du combat, il est bien vénère. Ça, c'est pas suffisant, un grand coup là. Ah, le petit coup rapide là, au moment où j'arrive sur sa gueule. Mais j'ai vraiment trop pas eu de chance sur cette session là. Sur ce merde, ce try là. Justine quoi. J'ai un cercle de feu, l'autre il fait exprès de faire un cercle d'électricité pile à l'endroit où j'avais fait le cercle de feu. Très bien. Tain, d'ailleurs, je suis pas censé normalement avoir 4 barres de machin. Putain, mais bouge quoi! Mon perso il réagit pas aussi quand il se fait attaquer, c'est un peu chiant. Quoi. De m'éloigner là quand il fait cette attaque là. Ouais, bah non, c'est pas grave. Ouais, donc ça a bien l'air d'être une chop automatique, hein, on peut pas l'esquiver. Je m'étais pourtant bien éloigné. Mais... Il est chiant avec ce cercle d'électricité là. Mais il m'attaque? Non mais il m'attaque quoi. Mes doubles sont en train de m'attaquer moi quoi.
C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Ah bien, une attaque dans le vent. Ah bah ouais, tiens, appuie sur le bouton d'esquive et surtout ne réagis pas. Par moment, j'ai l'impression qu'il y a un peu de latence dans les mouvements que j'essaie de faire et puis ce qui se passe à l'écran. Quoi. Les vieilles attaques surprises. De m'éloigner là avec son attaque de merde qui essaie de me faire. Ah putain, voilà, il me l'a fait là. Cette grosse blague, j'avais fait exprès de m'éloigner. Ah mais tu vas sortir de ces cercles de d'électricité hein. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer cette fois-ci. Ouais c'est ça, c'est quand ils crient comme ça, ils se mettent à m'attaquer quoi. Génial. Ouais, génial. Commence avec cette merde. Putain, c'est insupportable là, ces zones. Ah putain, me soigne, il m'en remet plein la gueule direct.
Ah, génial. Super utile mon attaque. Allez, on va encore me faire son attaque cheatée là. Ouais, plus de potions. C'est un plaisir. Ouais, peut-être que je garde l'attaque bizarre là, l'attaque spéciale où je fais une onde de choc quand il fait ça. Pour le stopper dans son attaque. Mais ouais, il est quand même sacrément relou, hein, avec ses attaques de zone là qui m'empêchent de m'approcher de lui, c'est insupportable. Putain, mais pourquoi mon perso continue à faire son attaque alors que je lui dis de faire une esquive? Rien faire quoi, c'est super relou ça. Il le fait instantanément, il se met à crier, on peut pas bouger quoi. On fait quoi là? Il me bouffe toute ma vie en faisant ça, voilà, j'ai plus de vie. Remplacer mon cercle de feu par un cercle d'électricité quoi. Ça, mais sérieusement ce boss quoi. Ça sert à quoi d'avoir des attaques spéciales si quand on les lance l'autre il les annule quoi. Voilà, je vais stopper avec ma super attaque là. Ah putain, un timing de merde. Ah putain, mais comme il me met cher quoi. Ah bah voilà.
这便是下场。Cette blague. En plus, c'est relou parce que du coup, j'ai pas de possibilité de remodifier mes sorts. Je suis obligé de garder ceux que j'ai avec moi. Faut pas que ça permette de changer les sorts, ça disparaît instantanément. Voilà. Bon, déjà, je sais que je peux couper sa super attaque de zone là. En utilisant ma super attaque là, mon onde de choc. Putain, mais bouge! Mais c'est insupportable quoi! Putain, bien sûr! Faire, on peut même pas utiliser la brume pour barrer, on peut rien faire. C'est magnifique. Ils ont abusé de mettre des attaques imparables. À moins qu'il faille reculer, mais j'arrive pas à reculer. Il l'envoie instantanément, la truc. On peut pas réagir. Esquive. Ah, j'appuie 4 fois sur la touche d'esquive, il réagit pas quoi. Voilà, putain, encore une fois. Mais bouge. Mais j'hallucine quoi, je... Voilà, génial, il me refait encore son attaque cheatée là. C'est insupportable, y'a aucun moyen de savoir le moment où il va la lancer. C'est là où moi je suis la contrée. Il l'a refait une seconde fois pour les transformer, pour qu'ils viennent m'attaquer quand même, cette grosse blague. Ah, ils se sont enfin mis à l'attaquer, eh ben quand même. Voyons, foiré. Là, j'ai réussi parce qu'il m'a pas fait les attaques avec le cercle d'électricité au sol, du coup je pouvais l'enchaîner. Non, sinon c'est pas possible quoi. Il restait à l'intérieur du cercle électrique et j'arrive rien à faire, je peux pas le toucher, j'étais obligé d'attendre qu'il m'enchaîne. Ouais, du coup c'est la pagode qu'on voyait au début. Et puis il y a l'oiseau chelou là. Ouais, donc c'était un faux Bouddha. Lui. Il s'est fait passer pour un Bouddha tout le long là, un mini Bouddha. Là. Tu perdras pas, tu vas finir sous l'eau mon gars. Tu vas finir congelé. Oh
Ouais, c'est ça. Glaçon. Ouais, donc ici c'est bien vrai Bouddha. Juste quand on est arrivé dans le temple à la fin, en fait c'est un fou. Je suis un peu plus de temps. 不料两位施主仙道，吾能，你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿失足淹死是小，大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。哈哈哈哈哈。 你那九齿钉耙，且借我用用。<笑> Il le transforme en canne à pêche. C'est la relique. Un drôle de gueule ce poisson. Animé. Qu'est-ce machin? C'est bien chelou, c'est... Ouais. Il le considère comme une divinité. Ah bah, c'est plus simple pour pêcher. Ça doit être lié au chapitre d'après. Qui coule. Ouais. Ah, lui je crois qu'il en veut plus que les autres. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada.
l'humanité. Les moines qui prient pour que les mecs ils arrêtent. Clairement. Voilà, du coup. Du coup, ils ont tout perdu. De l'avidité. Il a encore envie le truc. Chou人话. Super. Chou人话. 道果为因，师兄如此执着输赢，可笑，可悲。若不能赢，还仗什么因果人心？ ，不过自封齐天，那四庆童儿却敢自立宗庙，自封世尊。亏得你佛心坚忍，勇猛无惧，竟抵住了他的引诱。那些个星君魔将、高僧大能，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。 你一路迎霜冒雪，可曾嗅到世人痴心破灭的味道？ Nouvelle relique. Un éclat cosmique, arborant une forme ronde et des reflets éclatants, cet objet est le fruit d'une vision zen singulière, c'est-à-dire la fabrication d'armes. Torsadé, ça c'est les fils d'orfin, c'est bien, on va pouvoir améliorer les armures. Feuille de fer, ok, cœur d'arbre d'or, ce matériau sert à la fabrication d'armes. Ça, c'est pareil, ça c'est pour augmenter les niveaux de résistance, de santé et tout. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un truc. Allez, un truc. 雪山大士舍全身求半寂，故能正成佛果。不似这般，怎能当得鼻祖？天生圣人若不敬天，孤高自傲，任意妄为，那又何来四海升平，三界清净？ Il blingue bien classe ce petit Bouddha. Ça du coup c'est moi là. Wukong. Yizhi Jing Shu Ling, Fu Zi Fan Mu Cheng Chou. Ta Shi Bu Yu Yao Wei Wu, Fen Er Li Jia, Zai Ye Mei Hui Qu Guo. Ru Jin Yin Jiu Yuan Luo Kun Lao Yu. 才又念起故乡，可没了故人，又哪儿有故乡？北方有个真武，号荡摩天尊，昔年奉玉帝敕旨，剪伐天下妖邪，龟蛇二将乃其左右侍从。可惜如今，龟蛇不再能合行，真武徒胜虚名。
西天拜佛山高路险，除了几位徒弟，还有六丁六甲五方揭谛四只公，一只包子呼叫伽蓝保守唐僧左右，他们各有神通，你若见到亦可多加来往。Ouais, du coup, je pense que le singe en est un aussi. Et, pas le singe, pardon, le cheval, je veux dire. Mais ouais, du coup, il va falloir encore le rencontrer d'autres prises. Bref, bon, bah voilà. Ainsi que s'achève le chapitre 3. Du coup, j'espère que cette session vous a plu et qu'elle vous sera également utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez besoin d'aide dans les commentaires. Et puis du coup on se donne rendez-vous normalement demain pour la suite de notre périple sur Black Myth Wukong. Allez, bon jeu à vous. Ciao ciao.